plus gros rongeurs d'Amérique du Nord et c'est également l'animal terrestre qui possède les plus grands piquants ainsi que le plus grand nombre. Il peut en porter plus de 30 000. Inutile de dire qu'il est craint par tous les prédateurs. Cet animal mène une existence solitaire pendant la majeure partie de l'année, sauf au printemps, alors qu'il est particulièrement actif. Hier soir, à la toute fin d'une marche dans la nuit en campagne avec notre border collie nommé Rose, le chien est soudainement parti aux trousses d'un jeune porc-épic proche d'un ruisseau. Mon premier réflexe fut de m'interposer entre le porc-épic et mon chien téméraire, avec les conséquences qui en suivirent. Parler d'un maître dévoué. Pour qu'il pique. Enfin, je peux pas zoomer. Hein. Oh. Aïe, aïe. Tout en étant particulièrement douloureux, les impacts de la blessure résultante sont minimes. Après le retrait des épines, il faut nettoyer la plaie, enduire d'un onguent antibactérien et couvrir d'un pansement pour quelques heures. Comme avec toute blessure, il peut s'y développer une infection. Soyez vigilants. Suite à cette altercation, le porc-épic possède maintenant 30 000 moins 42 épines.